La roue à eau n'a guère changé depuis 2000 ans. Mue par un animal de trait, elle constitue encore, telle la charrue, un instrument simple mais efficace. En quoi de nouveaux outils sont-ils donc nécessaires aujourd'hui et quel effet la technologie importée exerce-t-elle sur la production et le petit paysan? Peut-elle être adaptée localement et fabriquée sur place? Quel est le meilleur moyen de produire plus de nourriture? Les pays en développement peuvent-ils espérer un jour se suffire sur le plan alimentaire? À ces questions s'ajoutent celles de l'utilisation du sol. Par exemple, quelle superficie réservée au pâturage? Ou bien des cultures commerciales, comme la canne à sucre, génératrice en outre d'une industrie de transformation. Pour les ressources naturelles, par ailleurs, se pose le problème du rythme d'exploitation. Existe-t-il réellement des solutions de rechange pratiques aux combustibles fossiles? Les éoliennes, par exemple. Ou encore les panneaux solaires. Parfois, au contraire, c'est l'hydroélectricité qui fait mieux l'affaire. Mais alors, quelles sont les répercussions sur les autochtones de cette forme de développement à grande échelle? Comment fournir de l'eau potable aux régions rurales? Quelles techniques mettre en œuvre pour le traitement des eaux usées afin de les empêcher de polluer l'environnement? Les villes du tiers-monde croissent à un rythme vertigineux. Il faut pourtant loger les gens. Une solution économique est simple. Réside-t-elle dans l'érection de carcasses de maisons sur des terrains viabilisés? Il faut aussi créer des emplois. Quelles activités les planificateurs devraient-ils encourager à cette fin? Et les femmes? En quoi l'évolution de leur rôle influe-t-elle sur leurs sociétés respectives? Pour elles et pour tous les habitants du tiers-monde, l'amélioration de l'alimentation et de l'eau, de la santé, du logement, de l'emploi, signifie par la mise en œuvre des nouveaux moyens qu'elle implique, une série de choix difficiles. Il leur faut trouver leur propre solution. Pour cela, ils doivent renforcer leurs capacités scientifiques afin de mener eux-mêmes, dans leur propre pays, la recherche nécessaire s'ils veulent être à même de faire les bons choix. En Malaisie, Ong Hai Hua étudie les effets sur les familles rurales d'un début rapide d'industrialisation. On a implanté dans ce village une usine de composants électroniques. Pour apporter un revenu supplémentaire à leur famille, de nombreuses jeunes villageoises y travaillent dans un monde totalement différent de celui où elles vivent. Les chercheurs veulent savoir comment elles réagissent à ces changements. Comment ceux-ci influent sur le mode de vie, sur le mariage, le taux de natalité, la structure familiale. Leurs études peuvent en effet aider ces pays à choisir une politique de développement qui facilite la transition entre le monde ancien et le nouveau. Le paysan doit apprendre à s'adapter au changement. Mais il est prudent et répugne à risquer son gagne-pain sur de nouvelles cultures ou méthodes. C'est donc aux scientifiques d'apprendre à le connaître d'abord pour lui offrir ensuite d'autres options qu'il pourra mettre en œuvre. Cette culture de riz à Sri Lanka est promise à l'échec parce qu'il ne reste plus assez d'eau dans le réservoir d'irrigation pour l'empêcher de dépérir d'ici la récolte. Dans le village voisin de Walagumbawa, le riz est déjà rentré. Et l'on prépare les champs pour une deuxième récolte. Ici, les agriculteurs ont suivi les conseils des spécialistes gouvernementaux et planté une nouvelle variété de riz à croissance rapide, ce qui leur a permis d'irriguer leurs champs durant les pluies de mousson.
Le réservoir, intégré à un système d'irrigation séculaire, est encore plein. Si bien qu'ils pourront faire pousser une troisième récolte peut-être. Un peu plus haut, sur le plateau, on défriche pour planter d'autres cultures. De nouvelles variétés de manioc, par exemple. Et des légumineuses à graines, comme le niébé. Les variétés améliorées de cultures traditionnelles sèches, telles le sorgho, poussent très bien ici. Parce que ces chercheurs ont conçu des systèmes culturaux adaptés aux conditions locales. En suivant leur avis, les agriculteurs de ce village ont plus que doublé leur revenu moyen en l'espace d'une année et amélioré du même coup leur régime alimentaire en le diversifiant. Partout dans le monde, des savants travaillent à l'amélioration des cultures traditionnelles telles que le quinoa dans les Andes et le sorgho en Afrique orientale. Cela ne suffit pas, cependant. Encore faut-il que cet accroissement de la production s'accompagne d'une amélioration des techniques de transformation, d'entreposage et de manutention. Au Botswana, c'est le décortiquage du sorgho, lent et difficile, qui créait un goulet d'étranglement dans la chaîne de l'approvisionnement. Les femmes travaillant de plus en plus à l'extérieur et la plupart des enfants allant à l'école, il ne reste tout simplement plus personne à la maison pour piler le grain. Résultat, les familles achètent de plus en plus de la farine de maïs toute prête, en majeure partie importée. Bien entendu, la production locale de sorgho s'en ressent fortement. On demanda donc au laboratoire de Saskatoon du Conseil national de recherche du Canada de trouver une riposte. Les chercheurs conçurent alors un décortiqueur artisanal et simple, capable de traiter aussi bien des petites que de grandes quantités de grains. La machine décortique les grains en les frottant sur des meules ordinaires. Le Centre d'innovation pour les industries rurales du Botswana a ensuite adapté le modèle aux cultures locales. Le décortiqueur, maintenant fabriqué sur place, sera adopté après modification par d'autres pays. Car il est assez polyvalent pour décortiquer, en plus du sorgho, toutes sortes d'autres grains, niébé, mil, maïs, ainsi prêts ensuite à être moulus. La diffusion des résultats de ce genre de recherche pose un grave problème qu'on s'applique à résoudre bien que lentement. Le Centre d'information sur le sorgho et le mil à Hyderabad, en Inde, est l'un des 5 centres spécialisés d'information agricole, lesquels traitent chacun de cultures différentes. Par leur intermédiaire, les scientifiques sont tenus au courant des derniers progrès découverts dans leurs domaines respectifs. Les centres publient en effet des bulletins périodiques et répondent directement aux demandes concernant la documentation et les écrits spécialisés les plus récents. Aux Philippines, la Banque d'information agricole pour l'Asie est un centre moderne, informatisé, de documentation et d'échange pour toute la région. Chaque année, comme les autres centres desservant d'autres régions, elle reçoit et distribue des milliers de rapports scientifiques touchant à tous les aspects de la recherche agricole. Les centres régionaux assurent la liaison essentielle entre les centres nationaux, telle l'Université agricole de Malaisie, et AGRIS, le système global exploité par la FAO. Au Centre national de documentation agricole de Tunisie, une bonne partie des données de recherche est stockée sur microfiches, ce qui permet de faire tenir une bibliothèque entière dans une seule armoire. Non, c'est-à-dire, ça c'est le numéro ISN. Le mini-ordinateur, lui aussi, ne prend pas de place, tout en étant relativement peu cher et d'exploitation facile. Fonctionnant avec un logiciel spécial connu sous le nom de Mini6, il renforce la participation du centre au réseau global et régional.
L'ordinateur est ainsi devenu un instrument moderne au service des pays en développement qui s'efforcent d'accroître leur production agricole. De la même façon, l'information doit être à jour pour la recherche sur les brise-vents. C'est pourquoi des jeunes ingénieurs de l'Institut national tunisien de la recherche forestière mesurent la vitesse du vent, l'humidité, la température et d'autres facteurs influents sur la croissance de plantes cultivées à l'abri d'arbres ou de brise-vents artificiels. Les arbres jouent un rôle essentiel dans la protection du sol, notamment sous les tropiques. Pourtant, la superficie occupée par les immenses forêts denses d'autrefois se rétrécit rapidement. L'une des causes en est la quête perpétuelle de bois de feu, source principale de combustible dans la plupart des pays en développement. Or, la surexploitation mène à la destruction de la forêt et finalement à la désertification. Mais le processus n'est pas irréversible. Ainsi, au Sénégal, on a planté des arbres à croissance rapide dans des zones de savane. Les rangées de ces arbres rustiques brisent le vent et contribuent à la rétention de l'humidité du sol. Leurs feuilles peuvent servir de fourrage vert. L'acacia produit en outre de la gomme arabique, procurant ainsi un revenu supplémentaire aux populations locales. Cette gomme entre dans la fabrication de nombreux produits, peintures, médicaments et même des aliments. Les arbres constituent également un milieu propice à l'agriculture vivrière, car ils protègent à la fois les végétaux et le sol, auxquels ils apportent les minéraux essentiels qu'ils pompent des couches inférieures. Enfin, ils fournissent de l'ombrage et de la pâture au bétail qui, de son côté, fertilise le sol, le rendant à nouveau propre à la culture. Les résidus agricoles après transformation, tiges de coton, pulpe de café et bagasse, peuvent être ensilés pour servir de nourriture animale. Cette source de fourrage est particulièrement importante en saison sèche lorsque la pâture devient rare. Des chercheurs de l'Université d'Alexandrie en Égypte étudient précisément les réactions de diverses espèces animales à l'ingestion de ces résidus qui peuvent être intégrés au régime alimentaire normal des animaux à base de graminées et de légumineuses. Les essais ont jusqu'ici montré un impressionnant gain de poids chez les animaux ainsi alimentés. En Asie, on consomme plus de poissons que de viande. L'utilisation de bateaux modernes à moteur diesel et d'un nouvel équipement a accru les rendements de l'industrie de la pêche. Mais la commercialisation et la distribution ont-elles suivi? Et à qui profitent réellement toutes ces améliorations? Le pêcheur en retire-t-il un juste profit? Des sociologues de l'Institut Marga à Sri Lanka examinent l'impact des nouvelles techniques sur la production nationale de poissons et sur le niveau de vie des pêcheurs. Quelques-uns ont, à l'évidence, prospéré. Mais pour la grande majorité des gens, dans les petits villages côtiers, la vie a peu changé. Toute la collectivité est mise à contribution pour retirer l'immense Seine. Or, les prises justifient à peine un tel effort de la part de tant de gens. D'autant que ce type de pêche est destructeur parce qu'il tue de nombreux poissons, jeunes ou de trop petite taille.
Cet autre filet, lui, ne détruit pas le poisson. Il sert à attraper des alevins de bango ou sabalo qui seront ensuite amenés à maturité dans les étangs piscicoles. Mais comme il n'est pas possible ainsi de capturer suffisamment d'alevins pour satisfaire la demande des pisciculteurs, il fallait trouver une autre méthode. Une percée décisive dans ce domaine fut réalisée aux Philippines avec la réussite, pour la première fois, d'un procédé de reproduction artificielle. Les chercheurs du Centre de développement des pêches en Asie du Sud-Est ont mis au point une technique d'injection d'une hormone pouvant provoquer la reproduction en captivité du bango. On procède maintenant aux essais sur d'autres espèces, également difficiles à reproduire et élever, comme le mirou brun à Singapour. L'eau est utile à bien des égards, mais elle transmet aussi la maladie. Les canaux d'irrigation en Égypte abritent des millions d'escargots, inoffensifs en soi, mais qui sont les hôtes temporaires de schistosomes, vers parasites si minuscules qu'ils pénètrent la peau de l'homme par simple contact de l'eau. Le résultat est la bilharziose ou schistosomiase, une maladie débilitante. Les parasites se reproduisent rapidement dans le corps, endommageant des organes tels que le foie et la rate et affaiblissant graduellement leur hôte. Or, il y a quelques années, le docteur Mohamed El-Saoui de l'Institut supérieur de la santé tropicale publique à Alexandrie constata que dans certains endroits, il n'y avait pratiquement pas d'escargots. Son enquête mit en évidence une herbe sauvage commune à la région et appelée Damsissa. Il découvrit que cette plante, même sèche, était fatale pour les escargots, bien que totalement inoffensive pour le reste de la faune aquatique. De fait, des expériences en laboratoire ont démontré l'efficacité mortelle de l'herbe sur les escargots dans des conditions contrôlées. Les essais préliminaires sur le terrain indique que la Damsissa peut aussi éliminer les escargots vivants dans les canaux. La moitié de la population égyptienne souffre à un degré ou un autre de bilharziose. Si la découverte du docteur El-Saoui ne guérit pas tous ceux qui en sont atteints, du moins permettra-t-elle d'en préserver un bon nombre d'enfants. Dans le tiers-monde, ici au Guatemala, le foyer rural est la source d'un autre problème de santé infantile. Les maladies intestinales causées par des parasites tels les Shigella et les Salmonella. Le cercle vicieux de l'infection est essentiellement enclenché par les mauvaises conditions sanitaires qui prévalent dans les contacts entre mère et enfant, par exemple un manque d'hygiène dans la préparation de la nourriture et dans l'allaitement au sein. C'est ainsi que dans certaines régions, la mortalité infantile au-dessous de 5 ans est causée à 40 % par des maladies diarrhéiques. L'Institut de nutrition d'Amérique centrale et de Panama s'est penché sur le problème de la transmission des maladies dans les villages guatémaltèques, niveau de contamination des maisons, fréquence des maladies chez les membres de la famille et habitudes d'hygiène personnelle de ceux-ci. Les chercheurs ont identifié les nombreux types différents de pathogènes et ainsi pu établir un profil sanitaire complet de l'environnement villageois. Comme les études ne suffisent pas à remédier à la situation, ils ont aussi élaboré, puis évalué un programme d'éducation sanitaire visant à convaincre les villageoises que la maladie n'est pas, comme elles le pensent, la norme, mais qu'elle peut au contraire être prévenue. Ah, vaya, usted es la que le avisa la voluntaria y la que le trae al puesto de salud. Va, póngase usted, pues.
L'amélioration des techniques sanitaires est également essentielle pour l'assainissement du milieu. Toujours au Guatemala, dans une école rurale, le Centre d'Amérique centrale pour les études sur la technologie appropriée expérimente une nouvelle sorte de latrine. Plus hygiénique que la latrine simple habituelle, elle présente en outre l'avantage d'être reliée à un générateur de biogaz, fosse souterraine dans laquelle du méthane est produit par fermentation. L'effluent sert d'engrais ou est parfois recyclé pour produire plus de gaz, utilisé en partie pour la cuisson des repas à la cantine de l'école. Mais sans une eau saine, facilement disponible, il n'y aura pas vraiment amélioration de la santé. Dans les régions rurales de pays tels que l'Éthiopie, ce sont encore les femmes qui vont chercher l'eau, même si le village se trouve à des kilomètres de la rivière. En milieu rural, le problème majeur de l'approvisionnement en eau est la technologie, car celle-ci est le plus souvent importée et à un prix très élevé. Des pompes à première vue efficaces posent fréquemment des difficultés d'entretien et de réparation par les utilisateurs locaux quand elles tombent en panne. Ce qu'il faut, c'est produire une pompe à eau simple, peu coûteuse et facile à fabriquer et à entretenir. Et c'est à cette tâche que s'est attelé l'Office éthiopien des ressources hydrauliques. La majorité des pièces sont en plastique PVC local et non en fonte. Le prototype de cette pompe a été conçu à l'Université de Waterloo au Canada et il est maintenant adapté et mis à l'essai un peu partout dans le tiers-monde. Bien que conçue pour des puits peu profonds, la pompe peut fonctionner jusqu'à 35 mètres de profondeur. Son tuyau est en plastique PVC. Le corps est en acier pour la protéger des dommages que pourraient causer les animaux. Mais la tige du piston est également en plastique. Le manche, fait d'un bois dur local, est la seule autre pièce qui ne soit pas en matière plastique. Il est très facile de montrer aux populations rurales comment assurer l'entretien de cette pompe, appareil simple et pratique qui, en leur fournissant une eau propre, améliore leur santé. Le lait maternel assure également une meilleure santé. L'allaitement au sein constitue une excellente source de nutrition au cours des premiers mois et protège la mère contre le risque d'une nouvelle grossesse trop rapprochée. Le Mexique attache beaucoup d'importance à ce type de régulation des naissances. Aussi, des chercheurs de l'Université du Yucatan en étudient-ils l'aspect physiologique. Les examens du sang révèlent le taux de prolactine, hormone essentielle à la reprise de l'ovulation. On sait que le cycle anovulatoire est plus long chez les femmes de la plupart des pays en développement que chez celles des pays industrialisés. Ce projet, ainsi que plusieurs autres dans le monde, s'applique à en chercher la raison et à établir la relation entre l'allaitement au sein et l'espacement des naissances. Bien que le taux de natalité globale manifeste depuis peu une tendance à la baisse, la population juvénile continue de s'accroître, surtout dans le monde en développement. Il faut fournir du travail à tous ces jeunes. Mais ceux-ci, pour obtenir un emploi plus productif, doivent bénéficier d'un enseignement approprié. Dans bien des pays, les enseignants remettent en question l'efficacité des méthodes traditionnelles de scolarisation. Et un certain nombre d'expériences innovatrices dans la diffusion de l'enseignement sont en cours. En Égypte,
L'école à air ouverte en est un exemple. Oh. 3500 écoles de ce genre ont été établies dans ce pays en 5 ans. Le Conseil national égyptien de la recherche en éducation évalue maintenant leur efficacité du point de vue de la diffusion de l'enseignement primaire de base dans les régions rurales éloignées. Les enseignants sont tous volontaires. Les enfants ont de 8 à 14 ans. Pendant que l'instituteur travaille avec un groupe, les élèves deviennent eux-mêmes des enseignants. Est-ce la meilleure façon de dispenser l'enseignement lorsqu'on dispose à cette fin de ressources limitées? Comment les pays en développement peuvent-ils préparer les jeunes à vivre dans un monde où tradition et évolution doivent coexister? De telles questions demeurent encore sans réponse. Mais ce n'est pas en un jour qu'on pourra assurer aux populations la nourriture, l'eau, la santé et l'éducation adéquates, ni mettre en place les moyens de communication et d'information que cela nécessite. Le décalage est souvent grand entre les recherches et leurs résultats. Il n'en reste pas moins qu'elles sont essentielles, de même que les programmes pilotes, à la réussite de projets d'envergure. Le tiers-monde commence seulement à exploiter son potentiel scientifique et technique, potentiel qu'il ne pourra pleinement mettre en valeur que si les populations et les gouvernements peuvent définir leurs propres priorités et établir leurs propres assises. En fait, les chercheurs et les responsables des pays en développement travaille aujourd'hui pour la génération future qui recueillera sans doute les fruits de cet effort. Mais c'est à eux qu'incombent, dès à présent, les choix à faire.